Dernière course avant la rentrée dans ce magasin de déstockage. Classeur, stylo ou grand classique étudié en classe, de quoi remplir les paniers sans vider son porte-monnaie. Ma fille qui doit prendre des notes, 1 euro, c'est parfait. Quand on voit les prix, 30 centimes, 81 centimes, 1 euro, on se pose pas la question. On achète, c'est pas perdu. Ici, les clients, souvent fidèles, s'approvisionnent en fournitures scolaires à prix imbattable. On a beaucoup de clients qui ont plein d'enfants, donc ça leur fait faire vraiment plein d'économies. Françoise vient ici depuis 15 ans pour préparer la rentrée de ses enfants, ne pouvant plus se permettre d'acheter en grande surface. Pour nous, nos finances, pour nous, oui. Parce que bon, les primes de rentrée scolaire, elles ne sont pas excessives. 400 euros, qu'est-ce que vous voulez acheter Cette année en Dordogne, près de 25 000 enfants ont bénéficié de la prime d'allocation de rentrée, qui s'élève en moyenne à 380 euros. Mais pour les familles en grande difficulté, le Secours Populaire collecte chaque été des fournitures scolaires. Voilà. Merci, merci beaucoup. Cahier de texte, stylo bille, gomme, pour que les enfants puissent se sentir à l'aise par rapport aux copains, avoir ce qu'il leur faut, et voilà, c'est important pour eux. Et pour les parents aussi. Des dons qui proviennent de toutes les classes sociales. On a acheté des effaceurs parce que bon, on n'a pas excessivement beaucoup de moyens, mais on s'est dit que de mettre un petit truc, ce serait quand même bien. En quelques jours, 200 kilos de fournitures ont déjà été récoltés.